Bonjour à tous. Bon, et bien écoutez, j'ai déjà marché 6,5 km. Je suis partie à 7h25. Écoutez, ce matin, c'est très calme. Alors, je ne sais pas si tous les étudiants qui étaient sur le chemin depuis 2 jours ont arrêté là où ils étaient. Je ne sais pas, parce que je ne suis pas partie ni plus tôt ni plus tard. Donc, écoutez, en tout cas, ce matin, le sentier est magnifique. Beaucoup de calme. Et ça fait vraiment du bien. Voilà, j'ai pas passé une très bonne nuit. À l'albergue, il y a eu du bruit jusqu'à minuit. À 5h, j'étais déjà réveillée. Bon, bah écoutez, voilà, c'est comme ça. Donc, direction Ribadisso pour aujourd'hui. Donc, il doit me rester 19 km. J'ai une chambre toute seule ce soir pour me reposer. J'espère que je vais arriver à mieux dormir. Et puis, en fait, demain, j'avais un projet, mais j'ai tout changé. Voilà, je veux pas vous dire, ça sera la surprise. Voilà, allez, bonne journée et à plus tard. Donc aujourd'hui, je crois vous faire des petites vidéos sans trop discuter et puis faire le diaporama à la fin. Allez, belle journée à vous. Si.
C'est fou comme les eucalyptus. Là, on est arrivé à Ribadizo avec un joli petit pont médiéval. Allez, je vais chercher mon albergue, Los Caminantes. Bon, et me voilà arrivé dans ma petite albergue. Voilà, je pense que c'est la petite salle où on peut prendre le petit déjeuner le matin, mais demain je vais partir très tôt, donc je ne déjeunerai pas ici. Et on a la cuisine, la cocina en espagnol. Et ce soir, je me prépare des tortellini au fromage. Voilà, je vais prendre des forces parce que ça fait 2 jours que j'ai pas mangé énormément. Et je fais ça avec sauce tomate à l'huile d'olive. Allez, bon appétit. Donc voilà, je vais conclure la vidéo du jour. Donc là, vous voyez, il y a mon petit albergue qui est là. Moi, je suis dans la petite maison à gauche, j'ai une petite chambre individuelle. Voilà, je vais essayer de bien dormir et de bien récupérer, puisque je manque un peu de sommeil. Et donc demain, je vous laisse un petit peu de suspense, je ne vous dis pas jusqu'où je vais, je ne vais pas jusqu'à Santiago, hein, je vous rassure, il reste 42 km, mais je vais aller plus loin que prévu. Par contre, je risque d'arriver du coup assez tard à l'albergue, je les ai prévenus, donc je ne suis pas certaine d'avoir le temps de faire une vidéo demain soir. Donc soit j'ai le temps, j'ai le courage et je vous fais une petite vidéo demain soir. Sinon, bah, la prochaine vidéo, ce sera éventuellement samedi soir, puisque je serai arrivée à Santiago. J'espère avoir le temps. Sinon, ce sera dimanche. Voilà, je suis désolée, mais là, je vais essayer de faire au mieux par rapport à toute mon arrivée sur Santiago. Allez, je vous souhaite une belle soirée et puis à très vite!